Les maisons régionales de la performance ont été imaginées à partir des objectifs que se fixe l'Agence nationale du sport, c'est-à-dire accompagner de la meilleure des manières possibles les athlètes dans leur parcours de performance. Et comment trouver le bon équilibre entre la stratégie nationale et sa déclinaison territoriale pour être proche des athlètes et de leurs besoins, de leurs préoccupations. C'est comme ça que sont nées les maisons régionales de la performance, avec les CREPS, avec les établissements, avec des équipes dédiées qui vont permettre justement d'être en proximité par rapport à nos athlètes en course pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Depuis trois mois désormais que je suis sur cette mission, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de visites sur le terrain, de me rendre compte qu'il y avait une vraie dynamique collective des équipes territoriales, des directeurs d'établissement, des équipes du haut niveau sur les territoires. On est en train d'essayer de trouver les bons process pour harmoniser les dispositifs qui sont mis en place. On essaye d'élargir le réseau dans chaque région pour apporter un catalogue de solutions adaptées à chaque sportif. Et on essaye de le faire de manière concertée avec les fédérations, puisque l'objectif n'est pas de faire à la place des fédérations, c'est elles qui détiennent le projet de performance. Nous, on est là pour les accompagner. Et c'est ce qu'on essaye de développer avec les responsables régionaux, les directeurs d'établissement et tous ceux qui sont sur le territoire.